On est aujourd'hui le 14 juillet, et souvent on pense que c'est la commémoration de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. En effet, lorsque le 14 juillet a été choisi comme fête nationale, en 1880, donc quand même bien après, ce n'est pas la prise de la Bastille qui a été choisie. Alors, ça a été un des éléments qui ont été évoqués comme choix possible, mais ce qui a été mis le plus en avant et choisi réellement, même si une certaine ambiguïté est restée, c'est la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui elle-même commémorait la prise de la Bastille, mais qui était un événement moins marqué par la violence, la prise d'une prison, et pour des républicains modérés de l'époque qui étaient majoritaires à ce moment-là, c'était plutôt cet élément-là qui a été choisi. Donc techniquement, ce n'est pas la prise de la Bastille que l'on célèbre aujourd'hui. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur l'origine du coup de la fête du 14 juillet, comment ça s'est choisi. Je vous mets le lien en description. Au revoir tout le monde.